sur nous. Voilà, madame. Ça nous fait 4,30€. Je suis pas une grande oratrice, donc j'ai tout écrit. Voilà, donc je disais que depuis notre première réunion d'information près des Campignons et Campinoises, jusqu'à aujourd'hui, on est 66 adhérents, ce qui est quand même pas mal, en 2 mois depuis l'ouverture du projet. Mais on est à peu près une vingtaine d'actifs, dont 16 pour la partie boutique, rentrée de produits et vente. Voilà. Donc on a commencé avec beaucoup moins de gens qui étaient actifs, et au fur et à mesure de voir comment ça se passait, ben, des gens se sont greffés en disant « Ah bah oui, c'est sympa, au final on rigole bien, on n'est pas là pour se prendre la tête, et puis ben, on avance quand même, hein, malgré tout ». Donc les horaires, on les a affichés en vitrine, ça sera aussi en fonction des arrivées des produits pour vous. Ils nous ont beaucoup aidés d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Beaucoup, beaucoup assisté, et ils nous aideront encore le monde, on les remercie. C'est dans le cadre du dispositif à vos idées. Donc, quelle belle idée d'avoir fait cette épicerie associative à Champigny. Cette épicerie, c'est un commerce de proximité. C'est un lieu de vie qui va créer du lien social. On en a besoin en période de crise, en plus, notamment pendant 2 ans, on a quand même souffert de cette pandémie. Donc on a tous besoin de se retrouver. Et peut-être que l'épicerie fait partie de... Enfin, c'est ce rebond que nous avons sur la commune. On a vraiment œuvré depuis à peine 2 mois pour cette ouverture aujourd'hui. Les membres actifs qui s'investissent vraiment depuis le début, sans compter leur temps. Et chaque jour, parce qu'on voit du monde bouger tout le temps. Ça bougeait dans tous les sens à Champigny, dans le bourg, c'était très vivant, c'était très agréable. Et puis espérons que ça reste vivant comme ça dans le bourg de Champigny. Voilà, donc je vous souhaite vraiment bravo à tous. Et puis, continuons à partager autour d'un verre. Voilà, tout à fait. Se vivent pour les prendre en photo. Je pense à toutes celles qui sont avec vous. Je pense que c'est très bien d'avoir des bénévoles actifs. Mais il manque Coralie qui est par là. Il va falloir des hommes quand même pour suivre les cartes. Il y en a. Elle n'est pas là.